Donc voilà un peu le concept. Donc voilà. Tais-toi. Donc voilà un peu le concept de la chaîne. Maintenant, je vous présente Pimous en vidéo, le titan. Pas de biceps, moi j'ai cheaté hier. Il est quoi? Look at this dude. Ça c'est mes bébés. Surtout que j'ai du casse aux gens. Oh, j'ai aucune vergogne. Eh hey, ta mère hein. J'ai horreur de perdre. Mon organe, je me mets comme ça. J'entends pas les radios. Vas-y, tu t'arraches plus loin. Oh putain, j'ai mis de l'eau sur mes couilles. Hop, j'ai baissé mon caleçon. Filme pas quand je gratte ma couille quand même. Masturbation. Moi j'aime bien quand je frotte comme ça, ça m'excite un petit peu. Fais le focus à Zabi aussi. J'ai 10 000 likes, je fais la même coupe à mon orteil. Super belle coupe testiculaire. Les reilles, j'espère que vous allez bien. C'est fou, toi, c'est pour mieux pousser sous les terres. 35 ans, 3 ans, franchement, je fais de la protéine. La daronne en scoliose mobile ou pas? Nique ta mère avec ta moto, toi. T'avais fini par. J'aurais dû me raser sa mère. Je vais être youtubeur. Faut arrêter de parler comme ça, frère. Moi, j'ai pas ton temps, en fait. Il m'a dit midi 30, il est midi 20. Je pense qu'il va encore arriver en retard. Il va sûrement arriver à 35, 40. Hein. Comme d'habitude, on connaît. And his name is John C. En souplesse, easy, man. Il est facile, en souplesse, fais pareil, t'atterris sur une meuf. Narrateur de père en fils. Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de Comment injecter des seringues. Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous caresser les baloches. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur comment ingérer des stéroïdes. Mon daron, il faisait des comptines sur TF1. Nique ton père. J'ai juste enlevé un exercice mollet, j'ai pas besoin. Je fais 72 cm de mollet, je vais pas continuer à les travailler. Mais faut savoir qu'avant de commencer tout sport qui soit, j'étais extrêmement gros, je pesais 96 kg pour 1m74. Ça quand même assez bas de ta part de m'attaquer sur des trucs cardio à la fois dans le muscle. Vu que Joanie se rapprochait doucement de mon objectif, bien évidemment j'ai dit doucement, il me rattrapera pas et je vais vous montrer aujourd'hui qu'il est vraiment bien bien loin de moi. La 140, histoire de foutre le seum à Didio, je vais lui faire une petite doublette à 140. Une petite doublette ou pas? La doublette facile. Il est où Didio? Qui pense vraiment qu'il va me rattraper? Franchement, ça m'étonnerait fortement, je vais pas te mentir. Le truc c'est que j'en ai marre des gens qui me disent ouais tu fais des semi-répétitions, tu t'arrêtes là, 165, complète. Appelle-moi, c'est combien tes pères? 160, c'est un maxi pour moi au coucher et encore je le bats. Et il continue de croire qu'il va m'attraper, hein. Écoutez-le. Hein. J'ai un de mes cousins qui fait de la musculation, qui en faisait déjà depuis 2 ans, et lorsque je l'ai vu, et en fait vraiment il a une bonne génétique, et donc il avait vraiment un super physique, des gros abdos, il avait un très bon physique athlétique. Il performait dans pas mal de sports. Non! Allez, mange mes couilles! Non! Didio, je fais ça. Je sors un testicule, je le pose comme ça sur son front pendant qu'il fait du coucher, je fais ça. C'est moi qui tourne la vidéo, mais c'est lui qui fait le montage derrière. Parce que moi, je suis un petit esclave. Pour l'instant, je travaille, je fais mes petites 12 heures de travail par semaine. C'est par jour, c'est agréable, on aime bien. C'était un échauffement. Donc le sprint, ça sert à rien. Je te baise. 120 kg, il en fait combien? 5? Je vais faire le triple. Ici, à mes charges de travail. Franchement, on va attaquer les vrais chars. On va arrêter de vasculariser. C'est là que le mental y joue. Sur la fin, j'ai mal à fond, mais la vie de ma mère, je l'ai fait les 12. Je crève, mais je l'ai fait les 12. Ah, non. Il a le seum. Ça sert à rien de mettre pour être fatigué. Regarde bien, il va mettre 120 au début, il va faire 5 reps et c'est fini. Même t'es costaud, faut que tu progresses. Moi, je sais que je suis une grosse pute. Une grosse salope. Des paires de chiens. Allez, oui. Série courte, je ressens rien. En plus mon chibre que mon arrière d'épaule. Parce que j'attends d'être congestionné. Comme ça les gens accrochent un débutant, ils me regardent bien. Et hop, j'enlève le cul, ils ont compris que je suis pas une petite salope. La vie de ma mère, je m'inscris dans une salle comme ça, j'envoie des injections. Ah ouais non, c'est bon gros. Non, c'est bon gros. Une table, tu poses un bras pour bien caler ici, pour la seringue, tu la mets mieux. Par voie orale ou bien dans le cul, c'est au choix. Ah mais Pimous, tu te dopes, tu prends de la protéine. Ah ouais. Ouais. Oubliez pas qu'aucun complément alimentaire n'est indispensable. Vous pouvez très bien remplacer ça par de la nourriture. C'est juste que c'est bien plus utile en fait. Moins cher également. Par exemple pour la protéine, je me vois mal sortir 2 beefsteaks normales après ma séance et les taper. Déjà premièrement ça coûte super cher. Deuxièmement c'est difficile de se balader avec des beefsteaks dans un shaker. C'est quoi, je préfère que dedans il y a 30 grammes de protéines pour 100 grammes et que le goût il est bon, je m'en bats les couilles. Sa mère, je mettrais 200 grammes dans la shaker, bon, puis c'est tout. Il y a au moins 18 kg de viande.
N'hésitez pas à demander aux adhérents autour de vous. N'ayez pas peur d'aller en salle de musculation pour la première fois. Les gens ne vous jugeront pas. Au contraire, quand c'est pareil pour le curl, c'est un exercice, il est tellement connu. Si tu ne sais pas faire du curl, c'est qu'il y a un problème. Pareil pour les gens, ils me disent j'y arrive pas. Faut se remettre en question, faut changer de sport. Allez pousser vers le bas cette fois-ci. Gardez votre dos le plus droit possible. Sortez vos pecs. Utilisez pas vos épaules ni vos pecs pour la pousser vers le bas. Vous avez aussi tous les liens utiles en description, Instagram, Snapchat, Twitter, lien affilié Pornhub, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, n'oubliez pas. Ah bon du coup. Ah ouais.